Il y a une catégorie de personnes qui, quand elles échouent quelque part, elles veulent absolument convaincre les autres que la chose en question n'est pas bien. Tu as été mariée, ma sœur. Ta relation n'a pas marché, un Européen ou un Africain. Ça n'a pas marché. C'est ton expérience, c'est ton histoire. Tu connais ce qui s'est passé dans ta vie de couple pour que ça ne marche pas. Que tu aies tort ou raison, ce n'est pas moi mon histoire. Mais quand tu vois quelqu'un en couple ou quelqu'un qui veut se mettre en couple avec soit un Africain ou un Européen, en tout cas une catégorie qui est la même catégorie que ton ex, tu vas dire non, ils ne sont pas bien. Moi, j'ai été mariée à un Européen. Je sais de quoi je parle. Les Européens ne sont pas bien. Ils font comme si, ils font comme ça. Les Africains sont comme si, sont comme ça. C'est ton histoire. D'accord? Laisse-moi essayer à ma manière, avec ma façon d'être. Il y en a qui sont ici en Europe depuis des années. Ça n'a pas marché pour elles. Mais elles vont décourager celles qui sont de l'autre côté en disant non, l'Europe n'est pas bien, l'Europe est comme si, l'Europe est comme ça. Il y en a qui ont été ici, qui sont partis au pays parce que ça n'a pas marché. Elles vont dire aux gens, n'essayez pas de partir. N'écoutez pas ce genre de personnes. Vivez vos propres expériences en fonction de vous, votre façon d'être. Arrêtez de faire ça. Ne découragez pas les gens en fonction de vos expériences parce que on est tous différents et chacun de nous a le droit d'essayer et de donner sa conclusion en fonction de son expérience à elle. D'accord?